On m'embrassait souvent les pieds, mais je ne protestais pas. Pourquoi priver les gens de la joie de m'honorer? Moi-même d'ailleurs, ayant un corps d'une souplesse exceptionnelle, j'ai essayé une fois d'embrasser mon propre pied. Je me suis assis sur un banc, j'ai pris mon pied droit dans la main et l'ai porté à mon visage. J'ai réussi à embrasser le gros orteil. Jamais été très heureux. J'ai compris le bonheur des autres. Il était une fois un homme qui s'appelait Kouznetsov. Un jour, son tabouret se cassa. Il sortit de chez lui et se rendit au magasin pour aller acheter de la colle à bois afin de réparer son tabouret. Au moment où Kouznetsov passait près d'une maison en construction, une brique tomba et vint le frapper à la tête. Kouznetsov tomba, mais sauta tout de suite sur ses pieds et se palpa la tête. Sur la tête de Kouznetsov était apparue une énorme bosse. Kouznetsov caressa la bosse de la main et dit: je suis le citoyen Kouznetsov. Je suis sorti de chez moi pour aller au magasin et mais qu'est-ce que c'est? J'ai oublié pourquoi j'allais au magasin. À ce moment, du toit tomba une deuxième brique qui frappa de nouveau Kouznetsov à la tête. Oh! Et il put palper une deuxième bosse. En voilà une histoire. Je suis le citoyen Kouznetsov. Je suis sorti de chez moi pour aller au... pour aller au... mais où donc est-ce que j'allais? J'ai oublié où j'allais. Alors, venu d'en haut, tomba une troisième brique et sur la tête de Kouznetsov apparut une troisième bosse. Aïe, 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 aïe. Je suis le citoyen Kouznetsov. Je suis sorti de la cave. Non. Du tonneau. Non. Mais d'où suis-je sorti? Du toit tomba une quatrième brique qui vint frapper Kouznetsov à l'arrière du crâne et une quatrième bosse fit son apparition. Je... mais... qui suis-je donc? On dirait que j'ai oublié comment je m'appelle. Donc voilà une histoire. Mais... comment est-ce que je m'appelle? Vassili
Pietuchov? Non. Nikolaj Sapogov? Non. Pantelej Rysakov? Non. Mais qui suis-je? Mais là, une cinquième brique tomba du toit et frappa le crâne de Kouznetsov de telle manière que celui-ci oublia définitivement tout au monde. Et ayant crié « Oh !» il partit en courant dans la rue.